Salam alaikum, Mazur Fellaoun, bonsoir. On a souvent une fausse idée de ce qu'est l'œil du cyclone que vous voyez ici. Quand on dit de quelque chose qu'elle est dans l'œil du cyclone, les gens pensent qu'il est dans l'endroit le plus tourmenté de la tempête. En fait, c'est juste le contraire. L'œil du cyclone est l'endroit le plus calme dans le cyclone. Une sorte d'œil en son milieu, entouré de vents et d'orages violents qui tournoient autour de lui, un peu comme un tourbillon. Dans le centre est très calme. Être dans l'œil du cyclone est donc être dans le calme le plus serein au milieu des tempêtes qui se déchaînent tout autour. C'est exactement le cas du régime qui tient l'Algérie. Il est dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire dans son centre, là où règne le calme. Il est là au milieu d'une tourmente annoncée dont on commence déjà à entendre les mugissements. Mais il est tranquillou, sauf si les vents et les orages sont pris dans des mouvements contraires. Et le plus remarquable pour ce régime, en plus d'être dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire au cœur le plus calme de la tempête qui se lève de toutes parts, est qu'il a réussi à devenir totalement étanche. Rien, aucune violence extérieure ne peut le pénétrer, encore moins le menacer. Mais encore, et plus remarquable, rien ne filtre venant de lui vers l'extérieur, de ce qui se passe en son sein. Rien. Tout autour de lui, personne ne sait ce qui se passe, y compris ses relais périphériques, tous ces milieux qui se sont agglomérés autour de lui et qui se sustentent de ce qui leur dispense de rente et de privilèges. Or, quand des systèmes politiques sont aussi étanches que le régime algérien, que rien d'important ne filtre, sauf les fuites organisées, que la presse s'auto-censure parce que sa survie dépend de ce qu'elle livre à l'opinion publique, que les intellectuels ne pipent mot, que les partis politiques se transforment en milieu d'affaires, en satellites et en relais du pouvoir, ou dans le meilleur des cas, en bureau des chicaillettes, alors il ne reste à ceux qui tentent de comprendre qu'à se livrer à des exercices spéculatifs, à faire dans le recoupement laborieux, à sasser les rumeurs pour essayer de deviner un tant soit peu ce qui se passe qu'on leur cache. Et la première des conclusions qu'ils peuvent en tirer est que si rien ne filtre, c'est que cette guerre des clans dont on nous parle n'est pas aussi évidente que cela. Parce que si c'était le cas, s'il y avait une guerre des clans, ceux-ci balanceraient les uns contre les autres, ils organiseraient des fuites de scandales les uns sur les autres, les scandales des uns et des autres. Or, depuis que le scandale Shakib Ebjaoui a été livré par Tawfiq, plus rien n'est sorti, si ce n'est de petites affaires relativement insignifiantes. Plus rien ne filtre des pourtant incommensurables scandales du régime. Et c'est là le meilleur argument, à mon avis, que tout baigne dans l'œil du cyclone, que les prétendus conflits ne sont que de l'esbrouf, destinés à faire croire qu'il existe encore des forces au sein du régime qui tentent de combattre les maîtres du jeu. Tout semble indiquer donc que ces informations faisant état de conflits entre des parties du système et d'autres ne sont que de l'intox. Pourtant, il semble que ce n'est pas aussi simple. Le conflit latent, puis de plus en plus ouvert, entre Saadani et Ouyahia, ne peuvent ne pas poser de questions. Comment expliquer en effet cette échauffourée qui se répand sur la scène publique via des journaux interposés? Qu'est-ce que cela cache? Comment se fait-il que les maîtres du jeu n'aient pas sifflé la fin du match? Comment se fait-il qu'un Saadani dont tout le monde sait que c'est le plus fidèle allié du tout-puissant Saïd est-il en train de le défier de façon indirecte, en attaquant de façon aussi virulente, où il y a un autre de ses alliés? Comment Saïd peut-il accepter, en des circonstances aussi périlleuses, un moment où les vents contraires peuvent se manifester, que des périphériques aussi proches du cœur du pouvoir peuvent s'agiter ainsi, mettre en péril la quiétude de l'œil du cyclone? Mais d'autres questions se posent aussi. Le DRS a-t-il vraiment été démantelé? Pourquoi le rattachement à la présidence de la nouvelle structure, le DSS, a-t-il été renvoyé à d'autres échéances?
Et tant et tant d'autres questions qui viennent nous interpeller. Aujourd'hui. El Watan. L'opposition répond à Ammar Sadani et Ahmadou Yahya. C'est le pouvoir qui a fragilisé le front intérieur. Par Majid Makedi. Liberté. Alors que le patron du RND qualifiait le FLN d'allié stratégique, Sadani, je ne fais pas confiance à Ouyahia. Par Mohamed Mouloudj. TSA. Ammar Roule charge le DRS, l'art de se renier pour rester au gouvernement. Par Riyad Hamadi. J'ai avec moi aujourd'hui sur le plateau Dr Haroun Hassin, membre fondateur du mouvement algérien des officiers libres. Nous lui demanderons de nous dire ce qu'il sait de cette étrange situation, de cet œil du cyclone où se sont enfermés les principaux décideurs du pays. Nous aurons aussi avec nous au téléphone Sami Dziri, documentaliste à Paris. Dr Haroun Hassin, merci d'avoir accepté notre invitation. Haroun Hassin, j'ai envie de vous poser une question toute simple pour commencer. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont dans l'œil des cyclones, dont on n'entend rien, dont on ne sait rien, ce qu'ils font, ce qui se passe, qui ils sont d'abord, est-ce qu'ils s'entendent les uns les autres? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est-à-dire que, bon, vous avez un peu présenté les choses d'une manière scientifique, pour essayer un peu de résumer ce qui se passe. En réalité, le régime n'est pas aussi solide que ça. C'est un régime précaire. Il faut savoir que ce régime qui s'est construit depuis 1999 a eu 15 ans pour se construire et prendre la forme qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est d'une. De deux, ce régime, il a eu... C'est-à-dire, selon vous, ce régime n'existe que depuis 1999. Il s'est complètement renouvelé. Il s'est construit depuis 1999. D'accord. Là, vous êtes en train de voir l'image finale de quelque chose d'apparemment solide, compact, qui est assez homogène et qui s'entend bien et qui ne laisse filtrer rien du tout. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce régime, il a eu une chance formidable. Il a eu presque $1 trillion. $1 trillion, c'est 1 000 milliards de dollars. De rente, et donc financièrement, il était très à l'aise. Et ben, troisième, voilà, comme on dit. Voilà, comme on dit, oui. Et la troisième des choses, c'est que ce régime, il a eu le soutien indéfectible de la France, surtout, mais aussi des chancelleries occidentales qui ont vu dans ce régime une manière de faire les affaires, une manière justement de prendre leur part de ce grand gâteau du trillion de dollars. Donc, oui. Vous voyez, c'est vrai que là, rien ne filtre, mais le noyau de ce régime, c'est le centre, c'est Saïd Bouteflika et ses amis qui sont à côté de lui, Youssef Youssefi, Ben Ammar Zarhouni, Belaïz, Haddad, Le Rougab. Il y a un tas de gens comme ça qui sont dans l'ombre et qui disent tout. Ces gens que vous nous citez, pour la plupart, Ce sont des, j'allais dire des relais, pour ne pas insulter, pour ne pas dire des nervis. Ce ne sont pas des gens, ce sont pas des pères de Saïd Bouteflika, des barons qui sont avec lui autour d'une table. Ils sont sous ses ordres. Ils sont sous ses ordres. C'est vrai, ils sont sous ses ordres. Ça, il n'y a pas de doute. Oui. Mais il faut savoir que Saïd Bouteflika, depuis, on l'a cité il y a quelques temps déjà, il commande de par l'autorité de son frère. Donc c'est lui qui a le cachet, c'est lui qui signe, c'est lui qui fait tout. Ça, on l'a dit, ça a été démontré, tout le monde le sait maintenant. Oui. Et il le fait d'ailleurs sans son cachet maintenant. Il n'y a rien qu'à voir la dernière fois dans le palais des congrès, Bouteflika Abdelaziz n'a pas pu parler 5 minutes d'affilée pour savoir l'état réel de cet homme. Mais justement, certains disent qu'ils soutiennent Mordicus, hein, François Hollande, Renouchi, Brahimi, que non, se trompe, Bouteflika a vraiment des capacités, il gère, il parle. Là, vous êtes en train de citer des gens qui ont un intérêt direct avec Bouteflika, surtout François Hollande. Et je crois que l'une des déclarations de François Hollande qui est tout à fait incroyable, et que je trouve profondément choquante,
profondément insultante à la mémoire des Shuhada, c'est de dire à Bouteflika que la France est là, si besoin est, pour montrer au monde entier que la France ne laisserait jamais tomber le régime Bouteflika. Or, il y a quelques jours, sur le Figaro, il y a aussi un dossier Algérie, une série d'articles où ils sont en train de dire que ce n'est pas aussi rose que cela, que ça peut exploser entre les mains de ces gens, que ça peut se transformer du jour au lendemain en millions de migrants qui vont se faire le raz-de-marée en Europe à la suite d'éventuelles guerres civiles. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a des gens qui sont en train de se réveiller. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Il y a des rapports alarmistes, notamment de l'OTAN, notamment des chancelleries étrangères en Algérie, qui disent que dans le cas où il y a des échauffourées en Algérie, type, même pas Libye, type par exemple Égypte ou quelque chose de similaire, des Tunisie, émeutes, par un exemple, climat insurrectionnel. Des émeutes. on risque d'avoir, l'Europe risque d'avoir des bateaux d'Algériens qui passeraient de l'autre côté, comme ça s'est un peu passé dans les années 90. Mais là, ça serait plus. Mais en l'occurrence, il y a encore de l'argent. Ils en ont encore pour 3 ans de tranquillité. Ça veut dire maintenir le niveau de consommation actuel, l'anesthésie générale, pour endormir les gens, ils en ont encore pour 3 ans. Non, ça, je crois que si on parle d'anesthésie générale, il faut dire que c'est vrai que le presque trillion de dollars, il a joué un rôle important pour acheter la paix sociale. Ça, c'est d'une. Mais il faut dire aussi que, et on l'a dit avant, malheureusement, on a dit qu'il y a quelques années déjà, que Bouteflika, quand il est venu au pouvoir, il est venu pour se venger de l'Algérie et des Algériens. Parce qu'il n'a jamais oublié de la manière avec laquelle il a été chassé du pouvoir, avec une condamnation juridique, infamante, une insulte pour la famille Bouteflika. Ça a fait les grands titres à l'époque. Et tout le monde, enfin, notre génération, elle connaît ce qu'était Bouteflika au temps de Boumdine. Oui. Ça, c'est d'une. De deux, le système Bouteflika tel qu'il est, il faut savoir que la rente, les revenus de la rente ne rentrent pas en Algérie. Ça, les gens ne le savent pas. La rente, en fait, elle passe par des banques, notamment françaises, que je ne citerai pas. Et c'est là où l'argent algérien est stocké. Donc, il ne rentre pas en Algérie. Et si on cite par exemple l'affaire Cheikh Ibn Khalil. Mais qu'importe qu'il rentre pas, qu'il soit dans une banque à gauche ou à droite. Non, c'est important. Je vais vous dire pourquoi c'est important. L'essentiel, c'est comment s'en servir. Je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est important parce que quand il y a des affaires de corruption, il est plus facile de gérer l'argent qui est à l'extérieur de l'Algérie que celui qui est à l'intérieur de l'Algérie. Oui. Parce que c'est une affaire de changement de compte. Ce sont des écritures. C'est des écritures, effectivement. Oui. Et donc, le premier, c'est à ça que je voulais en venir. Oui. Dans le cas de l'affaire des Sonatra et Cheikh Ibn Khalil, l'argent de la corruption n'est pas sorti de l'Algérie, il est sorti des banques françaises. Et le premier bénéficiant de cet argent, c'est les banques françaises, c'est l'État français. Donc tout cet argent qui reste maintenant, les banques françaises, les intérêts français, n'auront jamais la paix, hatta, en fait, ils suceront tout l'argent de l'Algérie. Encore pire, parce que le système Bouteflika... Vous n'avez pas l'impression, parlant comme ça, que c'est un peu la vieille école de la France qui se sustente du sang algérien ce n'est pas un peu... Je m'attendais un peu à cette question. Oui. Enfin, malheureusement, les faits, ils sont là. Les faits, c'est Jamel Din, ils sont là. Mais c'est peut-être une question d'intérêt personnel. Non. Peut-être qu'un François Hollande a intérêt personnel à soutenir le clan Bouteflika pour des raisons ou d'autres que nous ne dirons non, pas. Mais... Non, le clan Bouteflika. Enfin, ce n'est pas la France, je veux dire. Ce sont des intérêts ciblés. L'État français supporte Bouteflika parce que c'est Bouteflika qui a remis à la France, l'Algérie tout entière. C'est lui qui a vendu l'Algérie. Oui. On peut citer, je pourrais vous donner des exemples à en revendre. Oui. Ce n'est pas les exemples qui manquent. Mais je veux dire, c'est un concept abstrait donné à la France, non, là, non, qui non, est en train de sustenter du sang des Algériens. Là, écoutez, on n'est pas de la vieille école qui ne fait pas son mea culpa. Oui. Non, pas du tout. Nous sommes responsables pour certaines choses, mais il faut dire qu'il y a des choses... Ce n'est pas justement par théorie
Le nationalisme. On nous a gavé avec ça. Et les mêmes qui nous ont gavé ont tous des résidences en France. Absolument. Ils ont des sociétés en France. Je peux vous dire. Et ils ont généralement nationalité française et tout. Je peux vous dire que quand vous passez par une école des cadets, alors là, vous allez en recevoir. Oui. Je suis un ancien cadet, je sais de quoi je parle. Oui. Ceci dit, être nationaliste et aimer sa patrie, c'est un honneur. Oui. Parce qu'il faut dire, Tanit, il faut revenir aux sources. Le prix qui a été payé pour l'indépendance, il est énorme. Il est énorme. Oui. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas, des gens aussi jeunes que 26 ans, 18 ans, 17 ans, qui meurent pour la patrie, qui justement, dont le rêve était de voir une Algérie indépendante, une Algérie libre, souveraine. Alors que maintenant, quand on voit que Bouteflika, par exemple, juste un exemple, Bouteflika reçoit n'importe qui vient de France. Le maire, le sous-maire. Wallah al-Azim, si François Hollande lui envoie Hachakoum un chien de l'Élysée, il va le recevoir avec les honneurs. Oui. C'est ça le malheur. Mais ce n'est pas la faute de la France, c'est la faute de la mafia qui a pris le pays depuis 1962, pas depuis hier. Sauf qu'en 1962, ça ne se voyait pas, il n'y avait pas autant de ressources. La corruption s'est déclinée d'une autre façon. Moi, je me rappelle, les clans du pouvoir, les colonels, les wallis, qui avaient leur coopérative particulière au moment où on nous parlait socialisme. C'est la suite. Ils envoyaient leurs femmes faire leurs courses à Paris. Ça, c'est l'histoire. C'est la suite d'une. C'est une chaîne d'erreurs. C'est une chaîne, je ne dirais pas d'erreur, mais je dirais c'est une chaîne de trahison depuis 62, depuis les accords d'Évian jusqu'à aujourd'hui, qui font qu'actuellement, l'Algérien n'a pas d'honneur. C'est tout simple. C'est tout simple. L'Algérien, par exemple... Pas l'Algérien, la mafiocratie algérienne. Non, non, écoutez. Bouteflika dja bich yerja' l'khmass. Actuellement, fil Jazair, kayen khmass, malheureusement. On n'a pas des hôpitaux. Dans un sens ou dans un autre. Ya'tek sahha, dans un sens ou dans un autre. Après plus de 50 ans d'indépendance, et après près de 1 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars, ma'andna chi un hôpital qui va soigner les malades de cancer m'sakin fdjer. Oui. Alors qu'il est en train de construire une mosquée façon Hassan II, Le mosquée plus haut minaret du monde. Grand je ne sais du monde. Oui. C'est de la folie. Oui. Et qui s'appellerait la mosquée Abdelaziz Bouteflika. Ah bon, hein? C'est extraordinaire. Oui. C'est ça le système Bouteflika. Quand je vous dis qu'il est venu pour détruire l'Algérie, c'est ce qu'il est en train de faire. Non seulement pas ça, mais ce qui est plus grave, et c'est ça ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que les plans actuellement de Saïd Bouteflika ne sont pas uniquement de rendre les caisses vides, mais d'endetter l'Algérie. Endetter l'Algérie à un seul but. Mais Bouteflika n'est plus. Il n'est plus. C'est là la contradiction. Quand vous me dites que Bouteflika est venu pour se venger, or Bouteflika n'existe plus. Non, non. Vous pensez qu'il est encore en train de décider de quoi que ce soit? Oui, je crois que le CFD n'est plus. Au départ, j'ai dit que. Il y a eu la honte à la famille Bouteflika quand Abdelaziz Bouteflika a été condamné dans les années 80. C'est vrai. Ça a été l'attente sur toute la famille. Bien sûr. Je me rappelle très bien avoir un jour aperçu Bouteflika à Tlemcen, il y a près de 30 ans de ça. On me l'a montré, il était dans un état lamentable. Il était dans un état lamentable. Oui. Moi aussi, je l'ai vu un jour, il était dans un état presque lamentable. Maintenant c'est le clan Bouteflika, c'est Saïd Bouteflika qui gère, entre parenthèses, les affaires, et qui est en train, justement, de faire exactement ce que son frère lui dit. – Ça veut dire ce que son frère lui dit ?– Lui disait, pardon. – Lui disait, voilà. D'accord. Okay. – Donc, il est sur le même chemin. Il sait que… – Amana. – Voilà, Amana, Amana, et la mission, c'est détruire l'Algérie. C'est, en fait, construire un nouveau système, mafioso, tout ce que vous voulez, quoi. – Je reviens à vous dans un instant. Nous allons recevoir… Sami Dzeri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Jamaldine. Je salue votre invité et l'ensemble du staff de Maghrebia ainsi que les téléspectateurs de Maghrebia. Merci. Sami Dzeri, on va parler de ça puis on va fermer le dossier, si on peut dire. Cette propension à désigner la France, tout le monde aujourd'hui, il y a eu les années 60 et 70 où... tout le monde se servait de la France, il y a Ferranza, Kadla. C'était un fonds de commerce, la France colonialiste, etc. Alors que les mêmes qui nous faisaient des discours vivaient en France, avaient leurs biens en France, etc. Et aujourd'hui, on dirait que le discours a changé un peu de visage, mais il est resté le même.
On nous désigne la France comme si la France était une entité là, physique, avec les crocs et les griffes d'or, pour venir se sustenter, alors qu'en fait, moi personnellement, je pense que ce sont des intérêts étriqués des uns et des autres qui, au nom de la raison d'État qu'ils invoquent, en fait, ne servent que leurs intérêts. Par exemple, je m'explique, je vous laisse répondre. Aujourd'hui, certains politiciens français tiennent les barons principaux du régime parce qu'ils ont des dossiers sur eux, parce que c'est en France qu'ils blanchissent leur argent. Et alors, en le faisant chanter, ils leur disent « ou vous marchez comme on vous dit dans notre intérêt à nous, ou alors on vous fait des crasses ». Donc je vous laisse répondre, Javor, qu'est-ce que vous en pensez pardon, Samy, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, vous avez dit, hein, l'État n'a pas d'état d'âme, il a juste une raison, et des intérêts, les enjeux, il n'y a rien que ça. J'ajoute à ce qu'il a dit Haroun, bien évidemment, par exemple, vous prenez le cas de Farid Bjaoui. Il a trois nationalités. Par contre, quand il vit à Dubaï, il est immatriculé à l'ambassade de France à Dubaï. Quand il est à Hong Kong, il est immatriculé à l'ambassade de France à Hong Kong. Alors que ces sociétés sont immatriculées bien là-bas, mais les fonds sont des banques algériennes. Vous voyez un petit peu, c'est pareil, quand on parle de la France, ce sont une classe politique qui nous ont gavés du nationalisme, de la France ennemie, alors que l'ancien ministre des Moudjahidines vit à Lyon, il a un quartier jour, et sa fille elle est là depuis 15 ans travaillant au consulat de Lyon. Et vous avez aussi, vous avez Sellel qui est venu à Paris avec 15 ministres, reçus par un secrétaire d'État. C'est très très grave. Un secrétaire d'État qu'il a reçu en tenue de chasse. En tenue non conforme au protocole, avec un chapeau de chasse. Exactement. Et on a fait une réunion de 15 ministres, autant que, bon, dans ce cas-là, M. Bouteflika, il devient le ministre résident, comme à l'époque coloniale, et puis il vient chaque mois faire assister au conseil des ministres mensuel à l'époque, et qui fera état de... C'est vrai, il y a une question de souveraineté à débattre. Mais est-ce qu'il est dans une logique où il sert des intérêts personnels de ceux qui sont dans l'État français, ou est-ce qu'il sert l'État français? Il sert l'État français. Bouteflika, il y a une histoire avec les services français en 58 dans le nord-ouest du Maroc. Tétouan. À Tanger. Donc il y a depuis ce temps-là, il y a cette relation que je peux qualifier d'ombilicale avec certains membres de l'établissement français. Il a écrit une lettre à l'époque à Giscard, donc bon, ça, on ne va pas étaler sur ça. Tout à l'heure, Jamel Dil, vous avez parlé de l'œil de cyclone. Moi, je ne crois pas que cette perception du problème va s'appliquer à l'œil du cyclone. Je préfère parler de ce qu'on appelle la théorie du chaos. La théorie du chaos stipule qu'un clapement d'ailes de papillon peut provoquer un ouragan, un clapement d'ailes de papillon en Indonésie ou ailleurs, peut provoquer un ouragan au Texas. C'est ce qui se passe en Algérie. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'étanchéité du régime. Moi, je préfère parler de porosité du régime. Il n'a pas une résilience forte. C'est une résilience très, très fragile. Il est protégé juste par des digues. Il suffit juste de voir le contexte, l'environnement régional, et vous allez voir. Crise régionale en Libye, une guerre qui est à notre porte, avec une présence des armées étrangères, des milices incontrôlables susceptibles de déborder. Vous avez au Mali, présence militaire conséquente, qui coordonne pour l'instant, mais qui peut changer son visage d'épaule, si l'enjeu et l'intérêt l'exigent. On a vu les dernières déclarations pro-marocaines. Présence aussi des centres d'écoute, au Maroc, en Mauritanie, et la préparation d'une base américaine en Tunisie. Donc géographiquement, l'Algérie, elle est juste au milieu. Moi, je préfère ne pas parler de l'œil du cyclone, comme vous l'avez cité. Donc, ajoutez à cela une diplomatie algérienne inerte, inadaptée à la conjoncture. Sur le plan toujours international, c'est ce qu'on appelle les crises exogènes, vous avez aussi la guerre en Syrie et la reconfiguration des rapports de force au Moyen-Orient, Iran, Turquie, Arabie Saoudite. L'Algérie est exclue, alors que la diplomatie algérienne a brillé justement sur les questions proche-orientales.
le conflit irano-irakien, les accords d'Alger entre le Shah et Saddam en 1975, la crise libanaise et les accords de Taïef, vous avez aussi la cause palestinienne, les déclarations de l'État palestinien à Alger. L'Algérie, elle est absente totalement. Ajoutez à cela, sur le plan international toujours, chute vertigineuse des prix de pétrole pour une économie de rente et une attente d'une pluviométrie clémente. On ne sait jamais. On est en train de prier pour que Dieu nous envoie de la pluie. Et donc ça, c'est très, 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 très grave. Restez avec nous, Samed Ziri, je reviens à vous pour vous permettre de finir votre raisonnement. Hassine Haroun, question clé que se pose tout le monde. D'ailleurs, des gens qui, sachant que vous veniez, m'ont écrit pour me demander de vous poser la question. Cette fameuse histoire de conflit, il y a des questions. Je commencerai par la première. Est-ce qu'il y a vraiment un conflit réel entre des clans au cœur du régime? Est-ce qu'il existe ce conflit réellement? Et si oui, entre qui? Ben écoutez, le conflit initial qui s'est déclenché depuis quelque temps, si on peut appeler ça conflit, mais c'est entre la présidence, c'est entre Saïd Bouteflika et le ministère de la Défense. D'accord. C'est deux projets de société complètement différents qui sont envisagés par les deux entités. Et vous pensez que la défense n'est pas sous la coupe de Saïd? Qu'elle est une entité à part? Je vais revenir à ça, pardon. D'accord. Et le deuxième qui s'est déclenché récemment, c'est un conflit entre politicards, je dirais. C'est un peu après ce qui s'est passé pour la Constitution, oui. La dernière Constitution qui a été votée par l'APN, malheureusement, cette APN de Harka, Hajjal Mestalash, c'est après ça que Saïd Hani s'est trouvé un peu mal, parce que il s'est trouvé d'abord le bouclier de ce qui s'est passé depuis le départ, c'est-à-dire depuis les attaques contre Tawfiq, jusqu'à arriver à ce point-là où il a passé la fameuse Constitution chère au cœur de Saïd Bouteflika, pour réinventer un peu un autre État. Et vers la fin, il s'est retrouvé sans rien du tout. Donc, il s'est retrouvé. Et vous pensez que son propre chef, Saïd Hani, il peut déclencher une guerre? Ah oui, c'est son propre chef. Ce n'est pas un indice, quelque chose d'autre? Non, il est arrogant. Non, il est juste arrogant. Il n'a pas peur que Saïd l'évacue? C'est-à-dire que le problème avec ce Saïd Hani qui a été en fait, ça c'est le comble de ce qui peut passer en Algérie, c'est qu'il a été fait par le DRS, Saïd Hani. C'est un ancien agent du DRS qui a été poussé, qui a été en fait projeté vers la scène grâce au DRS. Et c'est lui qui a été le premier à tirer sur le DRS. C'est lui qui a été ouvert. Surtout vert, quoi. C'est normal, c'est la vie. C'est comme un peu rôle, c'est ça, les énergumènes qui sont dans la classe politique algérienne, malheureusement. Et donc, mais finalement, je vous interromps, je vous laisse poursuivre. Finalement, Saïd Hani et Saïd Bouteflika, ils n'ont pas de mérite. Ils ont pu démanteler le DRS. Qui aurait cru, il y a quelques années, même s'ils n'ont pas démantelé, il n'existe plus tel qu'il existait. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu simpliste de croire que Bouteflika, quand il était dans sa bonne forme, je parle de Abdelaziz, n'a pas pu démanteler le DRS. Alors que quand il est... Moi, je dirais que c'est Saïd plutôt, c'est pas Bouteflika, même Abdelaziz. Non, c'est un peu plus complexe que ça. C'est parce que démanteler le DRS... C'est vrai que ça a fait l'agenda, si on peut entre parenthèses, de la présidence. Mais démanteler le DRS dans sa forme, avec laquelle il était, était quelque chose de tout à fait primordial par rapport au changement au sein de l'armée. Donc c'est l'armée qui a en fait initié ce démantèlement du DRS. Et Tawfiq n'a pas joué de rôle lui-même dans son propre démantèlement? Non, Tawfiq, il a subi. Il n'a pas joué un rôle? Il n'a pas joué de rôle. Il a laissé faire pendant 3 ans, on lui a enlevé griffe après griffe, dent après dent, et sans bouger? Écoutez, au moment où il était omniprésent. Je crois. Je crois que nous sommes avec mes frères, et même Ahmed Chouchan, l'aïd Kroubkhir. Je l'ai invité, il n'a pas pu venir très bien, pour le moment. Très bien placé.
pour parler de ce sujet. Je n'ai pas invité pour cette fois, je l'ai invité une autre fois. Ah, d'accord. Voilà. Très bien placé pour parler de ce sujet. Oui. Parce qu'il y a des années, en fait, ça a commencé en 2009, pardon, où on avait un plan pour sortir de la crise. Et Taoufir a fait partie de ce plan. On a tout exposé. Quand je dis nous, c'est pas uniquement Ahmed Chouchane et Haroun Hassin. C'est tout un ensemble qui est derrière, oui. au sein de l'armée nationale populaire. Malheureusement, Taoufir, il n'a pas pris ça au sérieux. Ça, je vous le dis, il y a les écrits, tout est archivé. Il n'a pas voulu justement démanteler le système Bouteflika. Il n'a rien voulu faire. Et c'est à partir de là, c'est à partir du laisser-aller, des affaires de corruption, des affaires internes au DRS, parce qu'il faut dire qu'au sein de DRS, il y avait des problèmes, il y avait des voleurs, il y a plein de voleurs, il faut le dire. Au sein de l'armée, il y a des officiers qui ne sont pas intègres. Il n'y en a pas qu'un peu, il y en a beaucoup. Ça veut dire que c'est l'inverse qui est vrai. C'est les officiers intègres qui sont rares. Écoutez, pour dire la vérité comme elle est. C'est pas l'inverse. On n'est pas. Dites là, c'est Jamal Din, c'est pour être honnête avec le peuple. Ben, j'espère. Pour leur dire ce qui se passe. Ouais. On leur dit les quatre vérités. Redois, men redois ce qui se passe, on n'en dira pas blik de ben aliyam. Ça. Parce que quand on parle, on est responsable d'avoir devant Rabbi Subhanahu des paroles qu'on dit et on est responsable devant le peuple algérien. Et puis on parle à des Algériens qui connaissent les officiers du DRS, qui connaissent les officiers de l'armée, les Algériens connaissent. Ils vivent avec eux. Et qui connaissent le Maoul depuis sa création, ce qu'il a fait, alhamdoulilah. Il y a des officiers qui sont pourris. Oui. Nous avons tout fait, Rabbi Alam Billi, nous avons tout fait pour les éliminer. Oui. Démanteler le DRS. Dans le DRS, il faut dire, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens intègres, il y a des gens nationalistes. Pas une seule seconde. Mais ce que je voulais dire, Hassan, je vous interromps. Non. Si les gens honnêtes, intègres, étaient la majorité, on n'en serait pas là. Parce que c'est la majorité, généralement, qui fait peser la balance. Quand, par exemple, dans une institution donnée, par exemple la justice, si la justice, il y avait une majorité de juges intègres, ils auraient jeter dehors les juges malhonnêtes. Dans l'armée, c'est pareil. Si l'armée et le DRS, il y avait une majorité de gens intègres, ils auraient évacué les gens malhonnêtes. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous interromps, mais c'est pour que ce soit un peu vivant. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. D'abord, on parle de l'armée. L'armée, c'est le pays. Et il faut dire que, juste à titre d'exemple, que la Syrie, l'Irak, il est parti parce que son armée, elle est partie. Khlas. Oui. L'Irak, dans sa configuration qu'on connaissait avant 90, n'existera plus. La Syrie n'existera plus. La Libye n'existera plus. Mais ce sont des armées de despotes, là, que vous citez. Saddam Hussein, l'armée du despote Bachar, l'armée du despote Gaddafi. Ce ne sont pas des armées du peuple libyen ou irakien ou syrien. N'empêche, l'armée irakienne et l'armée syrienne étaient parmi les armées les plus fortes du monde. Oui, mais au service d'un despote. Contre le peuple, qu'ils ont broyé pendant des décennies. Oui, mais on ne peut pas dire. Moi, je préfère qu'elles disparaissent. Quitte à ce que le peuple passe par une certaine période de souffrance pour se reconstruire. Je vous ai cité l'exemple de ces armées pour vous dire que quand une armée est détruite, le pays, il est détruit. C'est pour ça que je les ai cités. C'est des despotes. Sauf dans les cas où l'armée est l'armée du peuple, qu'elle est dans les casernes et qu'elle obéit au peuple. Là, il n'y a aucun risque. Mais quand c'est l'armée qui est la maîtresse du pays. Attendez juste un exemple, puisqu'on en parle. Kul Saraha. Attendez un exemple. Mille exemples. Non, pardon. On parle des armées dans les pays arabes. Mais il n'y a aucun exemple. C'est fini. Ni pays musulmans. Nous parlons de quelque chose qui a pris des centenaires. Pour arriver, c'est une tradition, arriver à cette armée qui se respecte. J'ai eu l'occasion de voyager en Europe et je peux vous dire, Wallah l'adem, un général était dans l'avion et il voyageait le plus normalement du monde. Oui. Le plus normalement du monde. Oui. La Helman, nos protocoles, ni rien du tout. Oui. Ça, c'est des armées. Qui se respectent, c'est des pays qui se respectent, c'est des gens qui se respectent, qui font la chaîne. Khalina, ça c'est Hadith Aqafa.
Nous parlons de l'Algérie maintenant. L'Algérie actuellement, elle ne tient que par l'armée. Et ça, je pense que Chab, en général, il l'a compris. J'ouvre juste une parenthèse. Je vous ai dit tout à l'heure que le trillion de dollars, Saïd Bouteflika, actuellement, est en train de jouer un autre jeu, qui est de délapider l'argent pour étouffer le budget de l'armée, pour que l'année prochaine, il n'y aura plus de budget pour l'armée. Le but de Saïd Bouteflika, c'est étouffer l'armée et c'est de faire passer les changements qu'il veut. Mais là moi, je ne peux pas laisser passer une telle affirmation. Une armée qui a fait, au cours de 15 dernières années, que pour les acquisitions d'armement et de dotations militaires, ouais. 100 milliards de dollars. Ouais. 100 milliards de dollars. Et je ne parle pas du budget. Et je ne parle pas de tout l'argent qu'il faut pour entretenir cet équipement. Tout à fait. C'est énormissime. L'armée à elle seule dispose de budget d'une douzaine de ministères. Peut-être qu'elle a plus de budget que ministre de l'Agriculture, de la Santé réunis. Alors, si on réduit le budget d'une telle armée, qui n'a que des équipements généralement de répression populaire, pour réprimer le peuple, ce n'est qu'une bonne chose. Bah, écoutez, oui, bien sûr. Le budget de l'armée, il faut dire, que les dernières années, le budget de l'armée a explosé. Voilà. Parce que quand on achète, il faut dire que dans les années passées, le matériel militaire algérien était presque périmé. Un matériel militaire, il a une durée de vie. Oui. On ne peut pas rester avec les mêmes avions, on ne peut pas rester avec les mêmes bateaux, on ne peut pas rester avec les mêmes équipements, les bateaux et tout, pendant plus de 20 ans. Et en 20 ans encore, c'est bien. Pourquoi ne pas avoir consacré ces fortunes à l'université, à l'agriculture, à l'industrie, à l'hydraulique? Le Maroc, c'est un pays frère, hein, ce n'est pas un ennemi. C'est parce que, comme il a dit Sami Djazari, on est entouré de partout. Nous avons deux bases du Mossad au Maroc. Nous avons une base d'écoute en Mauritanie française. Une autre base au Tchad, une autre base au Niger, une base américaine qui est en train de construire. Et c'est avec cet armement qu'on va combattre le Mossad? Non, non. Le Mossad, il ne se combat pas avec l'armement. Écoutez, nous avons le droit de nous défendre. Hein, nous avons le droit d'avoir une armée qui fait honneur à son peuple. Nous avons le droit d'une... Nous avons le projet pour faire une bombe atomique. Mais ça aurait été ça a été grave. Moi je préfère, on a un projet pour faire de l'université algérienne, l'une des premières universités du monde, pour faire du citoyen algérien, on va enlever l'analphabétisme, ben écoutez, 100% analphabétisé, l'agriculture, on va exporter l'agriculture. Je vais vous dire une chose, Jamaldine, nous vivons dans un monde, et tout le monde le sait maintenant, où il n'y a pas de place pour les faibles. On ne respecte pas le faible. Est-ce qu'en Algérie, un faible qui est dans la rue, il peut aller voir Abdelaziz Bouteflika pour demander Hqo? Est-ce qu'il peut voir juste un maire pour demander Hqo? Non. Est-ce que l'armée algérienne, avec son armement, elle peut tenir le coup contre les Américains, contre les Français, contre Israël? Les Américains. Contre qui? On a le contre droit qui de contre les Marocains, sont nos frères. C'est pas contre les Marocains. Les Marocains sont nos frères. Moi, je ne m'arme pas contre les Marocains. C'est tout. Et je ne les force pas à s'armer pour me faire face. Écoutez. On va s'allier contre les autres. Ça, c'est de l'utopie. Ça, c'est de l'utopie. Oui, mais on essaye d'aller vers une utopie prometteuse qui mène à rien. Écoutez, on ne parle pas des peuples, on parle des États. Quand vous avez un État, un chef d'État ou un monarque qui réclame Tindou, Fitlimsen, comment voulez-vous réagir à ça? Oui, mais là, je crois que c'est plus de la propagande. Non, c'est pas. Là, j'ai jamais entendu Hassan Mohamed VI dire je veux Tindouf. Ce sont ces relais qui font de la surenchère. Ça, donnons. Revenons au sujet. Hassine, je vous ai interrompu, je m'excuse. Nous sommes des amis, que les gens sachent. Nous sommes des amis, nous avons l'habitude de débattre comme ça en dehors de. J'aimerais que nous revenions sur cette histoire de conflit. Mmh. Est-ce qu'il y a conflit? Vous étiez en train de parler, puis moi je vous ai détourné un peu, je m'en excuse. Beaucoup. Est-ce qu'il y a conflit entre Jma'a et Badam ou Shkoun? Conflit entre qui? Pour moi, ça c'est de la périphérie. C'est de la périphérie, non? C'est Hamashia. Je vous ai dit qu'il y a un conflit
pour Saïd Bouteflika n'arrive pas à commander l'armée. Oui. Il n'arrive pas à commander l'armée. Il n'arrive pas à faire les changements qu'il veut. Parce qu'il veut faire des changements. Il veut en fait déstructurer l'armée. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le projet de Saïd Bouteflika, c'est un peu créer des petites armées et justement, comme vous le dites, diminuer le budget de l'armée pour leur donner juste des bribes pour une armée qu'on ne va pas utiliser. C'est exactement le raisonnement de Saïd Bouteflika, ce que vous dites. Et c'est ça son projet. Oui. Et c'est ça pourquoi Wakfouli, Rjal... Je connais Rjal. Ben, les intègres de l'armée, nos frères. Je connais les intègres de l'armée qui, ça veut dire qu'ils sont plus au sommet de l'armée. Ils ne peuvent pas être. Mais je me suis occupé de dos au même temps. Est-ce que Gaïd Salah fait partie de cela? Moi, je pose des questions directes et je voudrais des réponses directes. Est-ce que Gaïd Salah il est dans ce schéma? Soyons directs, soyons francs. Oui. Je sais que le cas de Gaïd Salah a fait polémique. Oui. Les gens se sont beaucoup dit sur les réseaux sociaux comment ça se fait que Gaïd Salah, qui est ceci, qui est cela, est resté, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Oui. Gaïd Salah, c'est un cas particulier de l'armée. Je vous ai dit tout à l'heure, l'armée c'est un peu particulier. Oui. Il y a l'esprit de corps, il y a des choses qu'on ne peut pas enfreindre. D'accord. On n'a jamais, et ça vous le savez très bien, on n'a jamais procédé à des choses extra-légal dans l'armée, c'est parce que si on touche à l'armée, si on commence à toucher à l'armée, bien que Khaled Nzar ou Toufir ou Tartag le criminel, je ne cesserai jamais de dire que Tartag est un criminel, je ne cesserai jamais de dire que Tartag a sur la conscience des dizaines de milliers de morts, je ne cesserai jamais de dire que Tartag il a sur la conscience des frères à moi qu'il a tués, des colonels, des généraux, dont ses mains sont entachées de sang, de militaires intègres. Cette armée-là, elle est en train d'évoluer, de faire sa mea culpa. Je vous ai dit ça. L'armée algérienne, elle est faite de quatre Algériens, d'Algériens. Où est-ce qu'ils sont ces mea culpa que fait l'armée algérienne? Où? Les changements sont en train d'être faits. Mais où, on voit rien. On voit rien. Si, vous avez vu. Je viens juste de vous dire il y a quelques instants que le démantèlement du DRS ne s'est pas fait par la présidence. D'accord. Alors moi, je pose une question directe. Le Gaïd Salah, en supposant que Gaïd Salah, c'est un militaire avec des frères à lui, qui m'a dit nos frères, qui sont en train d'aller vers un changement pour sauver l'Algérie. Je corrige. Oui. Le cas de Gaïd Salah est particulier. Oui. Un point, c'est tout. Gaïd Salah est la tête de l'armée, on ne peut rien faire sans lui. Il se trouve que Gaïd Salah est revenu à la raison. Je le dis, il est revenu à la raison. D'accord. Parce que Gaïd Salah, il est de la vieille école. Il est de la vieille école et c'est quelqu'un qui est tout à fait... qui préserve l'amitié, qui préserve les anciens liens de Moudjahid. Et c'est ça ce qu'il a trahi avec Bouteflika. Je ne suis pas en train de le blanchir, je ne blanchis personne. C'est des hommes, c'est des êtres humains, chacun a ses défauts, chacun a fait des erreurs. Le plus important maintenant, c'est qu'à l'intérieur de l'armée, on est en train d'essayer de faire quelque chose de bien, on est en train d'essayer de sauver l'Algérie en sauvant ce qui reste à sauver, oui. En faisant avec ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas justement, malheureusement, on est en train quelquefois de choisir le moins pourri, il faut le dire, oui. Saraha, oui. Mais en fait... C'est pour sauver, c'est pour le grand bien. Haroun Hassin, une question claire. Je vais vous permettre de me donner la preuve que ce que vous dites est vrai. Mm-hmm. Gaïd Salah et ceux qui veulent changer, c'est simple. Moi, à leur place, mm-hmm. Moi, à leur place. Je sais que rien n'est simple, hein, que tout est très complexe, qu'il faut aller vers un objectif à petits pas, qu'il faut... Je sais. Non, c'est pas, pas que ça. Qu'il y a un contexte international. Il y a un contexte international. Mais il y a quelque chose de simple. Wallahi, si vous, il y a quelqu'un qui m'a raconté des choses incroyables sur les pressions françaises. Oui. Vous savez que depuis les accords d'avion, juste un truc, oui, juste un petit exemple. Oui. Depuis les accords d'avion, l'armée algérienne est tenue de présenter au ministère de la Défense français ce qu'on appelle le plan d'urgence militaire. C'est-à-dire que c'est un plan d'urgence
que l'armée doit suivre en cas de conflit ou en cas de crise majeure, comme par exemple octobre 88, comme n'importe quelle prise. Le ministère de la Défense algérien doit se présenter ce plan et le donner au ministère de la Défense français. C'est une honte. Pour la première fois, le ministère de la Défense refuse de se plier à ces accords. Mais qui nous dit que c'est vrai, cette histoire ? Non, peut-être qui vous dit, écoutez, peut-être que vous, non, okay, c'est bon. On est ensemble dans le même truc. Alors hier, on leur pose la question. Vous avez raison. Qui nous dit que c'est vrai? C'est-à-dire, l'attaque à l'information. On lui dit ça. Qui nous dit que c'est vrai? Vous avez raison. Moi, je vais vous dire une chose. Qui dit, je connais les rôles, Tanit, les Français, quand ils sont en Zaire, à peu près les années 80. Non, là, il y a des arguments objectifs. Non, il n'y a pas. Écoutez, il n'y a aucun doute. Par contre, quand ils disent nous avons fait, nous avons dit, il faut le prouver. Il faut le prouver. Il ne suffit pas de le dire. Ma tgoulach la Haroun Hassin, ou la Chouchane, ou la Belchinouf, ou la n'importe qui, ou la. Non, vous l'Al-Shab al-Jazairi, vous l'Al-Jazairi, vous lui montrez ça, vous lui dites voilà, on a dit non. C'est la question indique. Moi, je pose la question simplement. Puisqu'ils ont cette capacité, cette force et cette volonté. Ces gens-là, pourquoi de faire de la résistance. De la résistance. Alors, la question est très simple. Très simple. Pourquoi ils ne le font pas de façon légale? Ça veut dire légal, hein. Ça dérive. Oui, même la France ne peut pas bouger. Ils arrivent, ils disent, ah non, nous, on respecte le président de la République, on est des républicains, on s'inscrit dans le droit constitutionnel, dans la Constitution, dans la loi, mais nous, nous avons constaté que ce chef d'État n'est pas normal. Il ne parle pas, il ne s'exprime pas, personne ne l'a entendu parler, il y a beaucoup de présomptions qu'il est complètement sauté. Nous, on demande juste l'application de l'article 88. Ça veut dire, nous voulons une commission de professeurs en médecine qui va l'examiner et qui vient nous dire « Oui, il est en bonne santé, plus personne n'en parle. » Non, il n'est pas en bonne santé, on met en marche la procédure d'empêchement parce que ce monsieur, il a été pris en otage par une mafiocratie qui règne en son nom. Alors, ces gens, puisqu'ils ont cette capacité de résistance, cette force, cette volonté de libérer l'Algérie, pourquoi tout simplement ne s'inscrivent-ils pas dans une démarche légale qui mette en œuvre l'article 88? La question est posée, c'est Hassan. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Dans le même raisonnement, l'article 88 doit être approuvé par la PN. Et oulala, il doit être approuvé par la PN. C'est une démarche politique. Nous savons que l'armée actuellement est apolitique. C'est ça le but de la deuxième constitution. Oui. Et oulala. Oui. Ce qui s'est passé dans le palais des congrès concernant cette constitution, nous l'avons vu. Des gens qui étaient contre le régime, qui se sont subitement alignés, polarisés, juste une nuit où ils sont passés par un filtrage, par un remontage, et ils ont tous voté oui. Et d'ailleurs, ils ont pris la paix, ils ont pris la prime de leur vote oui. Oui. Ce régime, on parle de Saïd Bouteflika. Ce régime de Saïd Bouteflika, c'est lui qui a autorisé, sans que le ministère de la Défense le sache, que l'espace aérien algérien soit traversé par des avions de défense de militaires français. Oui. Sans que le ministère de la Défense le sache. Oui. C'est quelqu'un qui prend des décisions tout seul. Oui, mais le ministère de la Défense l'a su après. L'a su après. Pourquoi il n'a rien fait? Parce que qui c'est l'autorité? Et pourquoi il n'a pas invoqué l'application de l'article 88? Pardon, il faut que les choses soient claires. Oui. Parce que là, apparemment, vous parlez comme si le ministère de la Défense, c'est lui un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. C'est le maître de l'Algérie jusqu'à un certain moment. Jusqu'au jour où il s'est incliné devant Saïd Bouteflika. Non, absolument. Non, le ministère de la Défense ne s'est pas incliné devant Saïd Bouteflika. Heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Ça, je vous le dis. Les Algériens ne croient plus en les informations sécuritaires lorsqu'elles ne sont pas vérifiées. Mais ils ont raison. Un exemple. On m'a dit qu'il y a eu un attentat contre Gaït Salah. Je reviens à ça. Oui. Juste une chose. Nous parlons de Saïd Bouteflika et de son système et de sa puissance. Oui. Vous oubliez malheureusement que Bernard Bajoli, qui était ancien ambassadeur de France en Algérie, il a tapé des mains
il a fait tout un Bataclan pour faire passer Abdelaziz Bouteflika lors de la troisième session. Oui. Et malheureusement, grâce à Toufik, ça s'est passé. Oui. C'est tout un système. Quand je vous dis que c'est la France qui est en train... C'est Bernard Aimé lui-même qui est en train de gérer les affaires de... Bernard ? Bernard Aimé, l'ambassadeur actuel de France en Algérie, qui est en train de gérer le système algérien. On vient juste de dire, subhanallah, que Sellel arrive avec 15 ministres en France, il est reçu par un secrétaire d'État. Haroun Hassin, nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement. Ça court. Écoutez, un dernier mot, et je m'excuse auprès de Samed Zeli de ne pas pouvoir revenir vers lui. Un dernier mot. Je vais vous dire une chose, on va essayer d'organiser une autre émission. Parce que c'est tellement intéressant. Écoutez, qu'on a pas senti le temps. Un dernier mot, c'est que c'est vrai que tout est compact. Quelquefois, c'est imprévisible, on n'arrive pas à comprendre. Mais il faut dire, et je ne le redirai jamais assez, que l'heure est grave, que le Jaysh al-Watan al-Shaabi, il a besoin de tous les Algériens, Vod Saïd Bouteflika, parce que c'est tout un système qu'on est en train de combattre. On ne peut ça pas vous demander un chèque à blanc, Hassine Harou. Vous demandez un chèque à blanc. À qui? Pourquoi vous voulez que Chamim Chima, le haut commandement de l'armée, qui a de tout temps été avec le régime, qui a mis Bouteflika là où il est, qui a sévi contre les Algériens, on ne demande pas au peuple de nous donner un chèque à blanc. On demande au peuple d'honorer son pacte avec les Shuhada. On demande au peuple algérien. Qu'il commence par les officiers généraux. Les généraux, Adam, qui sont au haut commandement. C'était le 70 général-major de corps d'armée, les chefs d'armée, les chefs d'armes, etc. Qu'ils commencent eux. J'ai été franc avec vous. Oui. Actuellement, tout le système est bloqué. Il y a des changements qu'on voudrait faire, mais malheureusement, c'est verrouillé. Parce qu'on n'arrive pas à placer les gens qu'il faut, parce qu'il y a besoin de la signature de Bouteflika. Oui. Il y a des changements en cours, mais qui sont bloqués. Nous avons besoin de tous les Algériens pour sauver cette Algérie. Parce que si jamais l'Algérie part, une dernière question, on a largement dépassé. Pourquoi faut-il, quelle est donc cette malédiction qui fait que même des intellectuels comme vous, des opposants comme vous, qui avaient tant donné à ce pays, votre jeunesse, votre pays, votre parent, votre mère, à qui vous n'avez même pas pu, que vous n'avez même pas pu enterrer. Comment pouvez-vous encore penser que l'armée puisse être une solution? Alors que moi j'entendais de vous que vous me disiez l'armée ne peut pas être la solution. L'armée doit aller aux casernes. C'est au peuple de s'imposer. C'est au peuple de. Je ne vous ai jamais dit. L'armée doit servir le peuple et pas le peuple servir l'armée. Je ne vous ai jamais dit que l'armée c'est la solution. Je vous ai dit que l'armée est là. Et fait partie de la solution. C'est avec le peuple, il faut comprendre, Khawa, on arrivera à changer quelque chose. L'armée sans son peuple, elle ne vaut rien. Elle ne vaudra rien du tout. J'espère qu'on pourra reprendre cette discussion très très intéressante. Merci beaucoup Hassine Haroun pour votre sincérité, pour votre disponibilité. Vous avez toujours été présent quand on vous a demandé de venir nous expliquer. Je remercie Samed Zeli, je m'excuse beaucoup de ne pas lui avoir permis de s'exprimer davantage. J'espère que nous pourrons organiser notre rencontre où nous pourrons parler de tout ça. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqaou ala khair, bsalama.